L'oratorio de Stéphane Delplace a été créé il y a un an à Paris. Et effectivement, j'ai assisté donc à cette première, cette œuvre tout simplement bouleversante que j'ai voulu reproduire à Besançon. Il y a deux chœurs et deux orchestres. Ça, c'est la base, je vais dire. C'est-à-dire qu'il y a l'orchestre à cordes de Besançon, qu'Emmanuel Boulanger a formé pour l'occasion, et un orchestre de cuivre, un ensemble de cuivre, 10 cuivres, Cabras, qui est un ensemble de Paris, que je dirige personnellement. Deux chœurs, deux hautbois solo, un organiste qui s'appelle Pierre Méa, et un violoncelle solo, Emmanuel Boulanger. Tout cela, bien sûr, spécialisé dans des endroits différents de l'église, avec une acoustique bien particulière. Donc voilà, la difficulté est sur, on va dire, la mise en œuvre de tout cela, ne serait-ce que tout le côté logistique, l'hébergement, les repas, etc. Enfin, c'est une petite entreprise d'une soirée. Souvent très ému, évidemment, quand je suis sorti des œuvres monumentales, notamment de Bach, de Mozart. Et je me prenais à regretter qu'aujourd'hui, on ne fabrique plus vraiment des pièces comme celle-là, en tout cas de type oratorio. Pour rendre hommage évidemment à Michel-Ange, l'envie est née d'écrire une sorte de monument en hommage à toute cette beauté. J'ai suivi l'organisation de ce plafond même, c'est-à-dire qui est organisé en 9 scènes et tout ça. Cette organisation est déjà presque musicale, on pourrait dire. La musique, je pense, pourrait s'écouter toute seule. La fresque se regardait toute seule. Mais il est évident que pour le public, l'image génère une émotion extraordinaire et porte la musique. Thank you.